Yes. Bon, changement de plan du coup, les gars. Là, je vais passer à un autre concours. Au final, je vais pas faire le concours Manga Draft, mais le concours Tezuka. Ce qui fait que je vais passer de un nombre de pages maximal de 16 à 55 à peu près. Donc, du coup, je suis en train de réécrire l'histoire et le storyboard, c'est pas pour maintenant. Donc, là, je suis en train de redesigner aussi quelques personnages et je vais m'étendre un peu plus sur tout ça. Caractère design, concept art, décor et tout. Enfin, je viens de penser à ça. Je pense que je vais me faire un tableau qui répertorie tout ce que je veux faire dans mon dessin, dans mon style graphique en particulier, que j'aurai toujours en face de moi quand je ferai mes planches. Genre, par exemple, si je me réfère au Miyazaki, le mouvement dans l'animation, j'aimerais bien avoir ce même sens du mouvement dans mes planches, dans mes dessins, pour rendre le truc beaucoup plus dynamique. Et plein de petites choses comme ça. Je vais essayer de prendre pas mal de notes sur ce que je veux obtenir dans la finalité au niveau de mes dessins. Et m'y tenir comme ça quand je ferai les planches. Je pense que c'est une bonne idée de s'imposer quelques trucs comme ça et d'avoir un peu comme un workflow. Je sais pas si ça se dit, je sais même pas ce que ça veut dire ce mot, je sais pas pourquoi j'utilise. Bah, cette année en fait. Là, début 2020. Allez, j'ai faim. Qui va faire quoi maintenant? J'ai mis notre map au cas où elle est buggée, c'est sûr. Vas-y, à droite, celle de droite, on a pris. On change d'équipe, le moteur? Allez JP, j'ai bientôt fini, ça y est. Restez tranquille après. Mais c'est pas toi. C'est qui a lancé le jeu? Mais ouais, mais putain, mais arrêtez. C'est bon. T'es allé en équipe 2, t'es 4, t'es sûr? Mais oui, je te le dis. C'est la seule et unique bug là sur le marché. Des bugs ou autre, on est bien d'accord. Moyenne de votre débit, voilà, c'est une moyenne entre 8.97 et 11.16, jusqu'à 30 mégas. Ok. D'accord. Vous aurez un disque dur intégré 128 gigas fourni, qui vous permet au moins d'enregistrer les sites. Ça concerne la sécurité, caméra de surveillance et frais de location dedans. Ok, c'est très intéressant. Ok, d'accord. Non, merci, monsieur Seigneur. Oh, le pauvre. Oh, shit. Qui? Ouais, bon, je pense que maintenant vous connaissez le refrain. Ça, je me suis dit, putain, ça c'est une bonne idée d'avoir ça comme ça, je me perds pas dans mon dans le style que je me forge, tu vois. Genre, j'ai des bases concrètes sur ce que je veux. J'ai pensé à ça hier, du coup, j'ai fait une liste pour toi. Qu'est-ce que t'as vu? Oh, j'ai oublié. Je me suis pris l'oreiller dans les jambes, j'ai su. Oh là là. L'oreiller. Donc là, je vais bouger de l'appart parce que j'ai envie de prendre l'air et je vais en profiter aussi pour prendre quelques images. Là, en ce moment, je suis en train de faire le montage de cette vidéo maintenant et je suis en train de découvrir pas mal de trucs et tout intéressants. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, les montages seront de meilleure qualité et un peu plus maîtrisés. Voilà.
Ok, update, est-ce que vous me recevez? Là actuellement, j'ai eu du mal à m'endormir hier soir parce que j'ai eu plein d'idées qui ont fusé dans ma tête. J'ai pas arrêté d'écrire, du coup j'ai même pu continuer l'histoire. Et j'ai carrément créé une to-do list sur mon phone, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, ça va être assez rempli, surtout que je dois aller chercher mon gros PC qui coûte plusieurs milliers d'euros chez LDLC parce que j'ai touché au BIOS et j'ai fait n'importe quoi dessus. Maintenant le problème est réglé apparemment. Voilà, là je suis en train de régler tout ce qui est options sur le Stream Deck et je suis en train de découvrir des trucs, ça va être assez fou. J'espère que je vais pouvoir justement créer des ambiances et tout sur les lives, je sens que ça va vraiment être cool. Donc je suis juste trop pressé. Donc voilà, programme de la journée, je vais essayer de sortir un peu, aller chercher mon PC aussi, aller prendre quelques rushs dehors, ce serait cool. Continuer à monter la vidéo, continuer d'écrire, envoyer un post Insta, enfin bref, j'ai plein de trucs à faire, donc ça va être une journée assez chargée, assez cool, et demain je reprends le taf. Mais après-demain j'ai repos, encore. Ça va, je suis qu'à 12 heures par semaine en ce moment, donc ça c'est cool. Franchement, j'ai envie que le déconfinement il dure longtemps sa mère, comme ça je vais pouvoir m'occuper. Là je suis dans une phase où je suis trop heureux, quoi. Parce que je crée pour moi, j'ai là le temps pour moi, et je peux faire ce que j'ai envie de faire. Alors que quand je suis en semaine de plus de 40 heures, c'est juste, ça me démotive clairement à faire plein de trucs et c'est, enfin bref, c'est trop chiant. Bang, je suis allé chercher mon PC, il marche enfin. Enfin, j'ai l'impression qu'il marche, tout roule, c'est trop trop bien. J'ai installé Sony Vegas et tout pour continuer le montage de ce PC. Vers celui-là, donc du coup je suis en train de faire le rendu de la première partie, enfin bref. Et là je suis en train de mater Sardush en live qui relance ses games de LoL justement après son unban. Et il est à 100 000 spectateurs. C'est la première fois que je vois ça sur Twitch. J'ai rien mangé de la journée, j'en peux plus. Une pizza et l'autre qui arrive juste après. Je vais me détruire. Hop, la deuxième. Bang, le clear. Là je suis en train d'attaquer un petit croquis que je commence à bien aimer parce qu'il va être dynamique, c'est cool, que je vais poster aujourd'hui. Parce qu'en ce moment du coup je suis en daily doodle, c'est-à-dire que j'envoie un croquis au moins par jour sur le compte Insta, donc je m'oblige à tenir cette cadence. Je trouve que le défi et le challenge pour l'instant est cool et m'apporte beaucoup. Juste après ce croquis je vais démarrer, je vais continuer l'écriture pour le Tezuka et puis après je vais devoir aller taffer encore une fois pour faire le service de soir. J'ai rien à grailler chez moi, j'ai eu la grosse flemme d'aller faire les courses, du coup je me suis commandé un petit sushi. Voilà, je suis postiché devant le live de Fake Here, juste là. J'attends la commande. C'est celui qui a la réponse. Numéro 1 sur un qui suis-je ? Bien sûr, une personne.
Bye.